Mardi 28 janvier 2020, chers internautes de First Afrique TV, c'est l'heure de la revue des titres, un tour rapide sur la une des journaux parvenus à notre guérite ce matin. On démarre d'abord avec le quotidien du service public La Nation. La Nation qui titre en manchette: Parlement de la CEDEAO, la représentativité des femmes divise les députés. Agenda du numérique et de la digitalisation, les grands chantiers prévus pour 2020. Bella Agosu à propos de la production du film Adou, le ministre de la Culture, nous a aidés de manière exceptionnelle. Quotidien La Boussole pour le bon positionnement sur les prochaines listes électorales. Gbadamassi et Adambi scellent le pacte avec les femmes et les jeunes de Parakour au nom du BR. Autre titre avec La Boussole: élections communales et municipales du 17 mai 2020, liste des pièces à fournir par les candidats. De La Boussole, passons à présent au quotidien d'Abarou. D'Abarou, installation du Conseil national de l'éducation, les grandes attentes de quelques acteurs scolaires de Parakou. Pour parvenir au leadership féminin, Rikia Madougou donne 5 conseils aux femmes. Grammy Awards 2020, une quatrième fois pour Angélique Kidjo. Quotidien Le Coopérant titre: pour protéger la population du Bénin contre cette épidémie de pneumonie due au nouveau coronavirus, le Bénin renforce les mesures de surveillance sanitaire, de détection, d'isolement et de prise en charge d'éventuels cas suspects. Avis public sur les prouesses de la 8e législature. En 7 mois de fonctionnement, les sages de Porto Novo félicitent le Parlement pour avoir œuvré au retour de la paix et de la fraternité au Bénin. Municipal et communal de mai 2020, le COSLEBI face aux exigences nécessaires pour une forte mobilisation autour du scrutin, écrit Le Coopérant dans sa parution du jour. Passons à présent à Nouvelle Économie. Nouvelle Économie, Direction Générale des Impôts, budget de fonctionnement 2020, 2,372 milliards de francs CFA pour Yenoussi. BCEAO, troisième trimestre 2019, 15,379 milliards de recettes et dons contre 17,553 de dépenses. Sur le site du magazine international First Contact Afrique à présent, en Côte d'Ivoire, les chrétiens s'inquiètent pour leur vie, nous informe le site. Activité politique, mobilisation, sensibilisation et enregistrement en ligne de la population de Rueto à Ouida, Sikayoland Francisco, l'autre Amazon de l'UP, très engagé pour une victoire écrasante. Bénin, rencontre mensuelle. Maître Alain Roula, ministre de la Communication et de la Poste face à la presse. L'innovation du gouvernement Talon qui le rapproche des populations, des projecteurs sur les réalisations, les projets en cours et les perspectives. Un dernier titre à présent, et cette fois-ci, c'est sur la parution exclusive du magazine international First Contact Afrique. Construction d'infrastructures routières et d'assainissement. Il n'y a plus d'éléphant blanc au Bénin sous la rupture, jure Orunla et constate First Contact Afrique. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette revue. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à vous. First Contact Afrique, c'est le visage inconnu de personnalités ou d'entreprises qui font que l'Afrique prend son envol et se développe. First Contact Afrique, c'est l'actualité autrement.